Allez, salut tout le monde, c'est NBSAT, bienvenue dans ce nouveau let's play sur le jeu Horizon Zero Dawn. Dans l'épisode précédent, nous avons été faire un petit peu tout ce qui était dans ce coin-là, sauf la plupart des feux de camp. Moi, en hors-jeu, j'ai été faire tous les feux de camp, et donc maintenant, on va aller se diriger vers la fleur de métal et vers la statuette Bannuq. Comme ça, hein. Bannuq, ouais. Donc on va d'abord aller vers la fleur de métal. Malheureusement, il fait nuit, hein, c'est comme ça. C'est pas moi qui contrôle. Effectivement, j'aurais pu attendre qu'il fasse jour pour pouvoir ensuite. Ça vole, ça? Ouais, donc je. J'aurais pu attendre qu'il fasse jour pour pouvoir ensuite faire le voyage de jour, tout simplement. Sauf que je pense que c'est préférable quand même de faire ça, le trajet de nuit, et lorsqu'on arrive sur place, qu'il fasse peut-être qu'on soit à l'aube et qu'on ait ensuite la journée. Ça permet aussi de ne pas avoir à chercher un objet qui se voit pas forcément dans la nuit. Par exemple, quand on cherche quelque chose antique. Oh, c'est un lac gelé! Trop bien! Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Oh merde! Oh merde! Un truc qui vole aussi. Attendez, c'est par où? C'est par là. Et là, c'est pas gelé. On va avoir froid au cul! Ça. Allez, sort. Voilà. Cours. Cours! Cours, fillette! Cours! Oh non, il y en a deux en fait là sur moi, carrément. Alors il m'en reste encore un. Raté. T'es trop près là mon gars. Oh putain, il y en a combien par là? Ça a commencé à être compliqué si on a beaucoup. Hein. Trop près. Stop, on ralentit le temps. Reste là et tu meurs maintenant. Et bah dis donc, ça a été un petit peu laborieux quand même, mais on s'en est bien sorti, je trouve quand même. Ça s'est quand même bien passé, on n'a pas trop perdu de vie, on a réussi à bien esquiver tout de même, et ça n'a pas été non plus. Enfin, je veux dire, les flèches ont bien été dans là où elles devaient aller, donc ça va. Ah. Là, c'est
Celui-là, on va prendre. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher cette fleur de métal. Donc elle doit plus être très loin maintenant. Elle est juste là. Parfait. J'aimerais juste pouvoir accéder à ça. Hop, voilà. Parce qu'on a vu qu'il y avait des ennemis et j'ai pas envie qu'ils reviennent nous embêter. Surtout que maintenant on doit aller chercher la statuette. Alors il y a un chemin qui monte jusque là, d'accord, donc je pense qu'il faut le prendre pour ensuite redescendre. À moins que ce soit ce chemin là qui amène Non, je pense que c'est mieux qu'on prenne le chemin qui est juste là. Donc on va aller tout droit et faudra tourner à gauche. Ok. Je pense que cette statuette va être un petit peu compliquée. Mais bon, c'est le jeu hein, donc on va aller tout droit. Je sais qu'on risque certainement de se faire encore repérer, mais c'est ça le chemin? Est-ce que c'est ça le chemin? Oui, c'est ça le chemin. Donc là, on va aller tout droit, on va rattraper. Non, parce que le chemin monte. Ok, donc là, clairement. Je pense que j'ai bien fait d'économiser le jour. Parce que je pense que pour trouver la statuette, on risque d'avoir. Oh, le char! On risque fort d'avoir besoin de la lumière du jour. Parce que la nuit, pour trouver quelque chose, c'est. Oh la vache, on est là, d'accord. Je savais pas du tout qu'on était là. Ok. De la glace. Je peux pas passer par là. Ok, donc on va pouvoir faire fondre ça un jour, un moment. Je pense vers la fin du jeu. Hein. Je vois pas trop aujourd'hui passer ça. Ok, donc il y a du feu quand même là. Donc c'est un. C'est quoi? C'est un pseudo-village? C'est quoi? Je l'accueille. Il y a du feu, ok. Il n'y a pas de... Si, c'est un petit campement. On peut pas sauvegarder ici, on peut rien faire. Il n'y a pas de vendeur ou quoi que ce soit, donc c'est même pas un petit village. Ok. Pourtant, il me dit qu'on peut passer encore derrière. Ah, pourtant, j'aurais dû le voir, hein. C'est juste là, ça. Ok, donc en fait, c'est peut-être juste un chemin qui mène là, mais... on peut peut-être pas forcément... Je pense que le chemin, il est juste là-haut, là. Mais c'est peut-être sur la fin du jeu où on pourra passer par ce chemin-là. Pour le moment, là, ou alors il faut risquer sa vie et faire un truc du genre comme ça. est-ce qu'on peut vraiment... Non, c'est chaud hein, quand même. Hein. À un moment, ça va être beaucoup plus vertical. Et voilà, déjà là, on peut plus monter. Et on risque de se faire mal, ouais. Donc on va tout simplement, hop, voilà, là ça va, pour l'instant ça va, est-ce qu'on peut continuer de monter un peu là? Non, après c'est trop compliqué à monter, donc on va faire hop, on va monter là, non là on peut plus continuer à monter, et là on risque de se casser un peu les jambes, ouais voilà, on s'est cassé les jambes. Et j'ai plus de soins de santé, donc il va vraiment falloir faire très attention. Doucement, doucement, doucement. Oui, glisse pas comme ça, glisse pas comme ça. Ok. Là, comme ça. Là, tu peux passer. Si, 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 si. Si tu veux, tu peux. Alors, attendez. On va réfléchir. On va... Hop. Voilà, il est arrivé.
doucement, doucement, doucement. J'aimerais bien... Ok, donc là, ça va. Ok, alors attendez, on en est où? Ok, donc on va sur la droite. Et normalement, on doit pouvoir y arriver. Non, on va éviter les combats quand même à cette hauteur-là. Hein. Je suis pas très fan de l'idée de devoir me battre à cette hauteur-là. Parce qu'un simple saut et on meurt, là, donc... Si on descend... Ah quoi, il y a un feu, là, en bas? Si on va à cette hauteur-là... déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une potion de vie, quand même. Voilà. Parce que là, je vais pas pouvoir monter plus haut. Donc, je vais être obligé de descendre un petit peu. Et ça m'embêterait de descendre un peu trop. Donc, voilà, c'est bon, on a réussi. Et on est à la même hauteur que le... Bah, en fait, on y est. Donc, c'est parfait. C'est une sorte de relique. Elle doit être Banouk. Un ravageur. Ok. Avec un veilleur. Charognard. Charognard. Veilleur. Ah, il y a masse hein, quand même. Hein. Charognard. Ok, donc il y a pas mal de bestioles à tuer. Sauf que d'ici, en fait, ils vont pas pouvoir m'atteindre. Ce qui fait que du coup, ce sera une bonne opération. Je savais pas qu'il y avait un campement, bah, il me semble pas que c'était indiqué, mais il a peut-être fallu juste que je les voie aussi pour que ça puisse arriver jusque là. Mais du coup... Non, je suis trop loin, tu déconnes. Ouais, apparemment je suis trop loin pour que ça fasse effet, donc on va essayer de descendre un petit peu, de se rapprocher. Ah, attendez... On va essayer de se rapprocher comme ça. Voilà. Là, je pense que je suis encore suffisamment... Ok, donc je suis encore trop loin. Hop. Ces symboles et ces couleurs. Des Banouk. Qu'est-ce qui les a fait fuir le Nord? Mais ils sont gentils ou ils sont méchants? Je comprends pas. On va essayer, hein. Les machines sont dociles. Ah d'accord. C'est comme si elles avaient déjà été piratées. Bonne chance. Ok, alors déjà on va enregistrer. Me laisse passer, merci. Donc on ramasse, hein, on ramasse. Il n'y a pas de souci. On va certainement même revendre tout ce qu'on ramasse là à un vendeur qui va être sur dans le coin. Donc c'est parfait. Là il y a un oh. Chante en l'honneur des glaciers. Là, un signal. Ça vient du sommet de la montagne. Je ferai mieux d'aller voir. Ouais, bah déjà tu vas ramasser tout ce qu'il y a ici. Hein. Bonjour, je viens vous rendre visite et puis je vous pille toutes vos ressources. un feu de camp... Oh la vache. Bah du coup, désolé de t'avoir envoyé des flèches sur la gueule, quoi. Toi, t'attends, j'arrive. Je récupère tout ce que je peux te vendre et je reviens.
Ici, il y a une autre caisse. À Bannour, on chante déjà des chansons relatant les chefs. C'est tout par là, il n'y a plus de... C'est quoi ça? Ok, donc il n'y a plus rien à récupérer dans ce... Là, donc, hop. On va pouvoir maintenant vendre tout ce qu'on peut vendre. Donc alors, ça, on le vend. Ça, on vend. Ça aussi. Alors ça on garde, échange on le... un tire-bouchon on le vend, ça on va... Ah oui, alors on va vendre tout parce que ça nous prend quand même pas mal de place, voilà. Attendez. Tout le reste après c'est des trucs que je peux garder mais... Faudrait juste que ce soit que j'ai un petit peu plus de place. Par contre ce que je voudrais ce serait regarder les tenues. Ah oui, mais vu que je leur vends les machins, du coup, je peux plus les racheter maintenant. Ok. Ah, je peux améliorer les tenues. Ok, ça je savais pas. Ok, donc on va juste, hop, retourner dans l'inventaire. Et on va aller, non, pas là, dans les objets spéciaux. On a juste pour enlever les points d'exclamation. Donc les cailloux, on peut toujours pas... Ah si, ça, je peux le récupérer. On va récupérer tout ce qu'on peut récupérer, là. Donc le piège explosif, je peux pas encore le récupérer. Mais du coup, je dois pouvoir reparler à lui. Et est-ce que maintenant, je peux acheter une... Ah. Celle-ci, je pourrais. Chasseuse Banuk. Protège contre le gel, une tenue typique des régions... On va acheter celle-là. Oui. On va équiper. Ok. On va... est-ce qu'on peut acheter une meilleure... ça. Alors j'ai déjà acheté pas mal d'armes, hein. Je pense qu'on peut acheter celui-là. On va acheter tout le reste des armes qu'on n'a pas. Voilà, on a suffisamment d'argent. Du coup, celle-ci, on peut pas l'acheter parce qu'il nous manque une tresse de cristal. Pourtant, il me semblait qu'on en avait une. Ah non, c'était pour acheter une autre arme. Ensuite, pour ce qui est des munitions, j'ai déjà toutes les munitions, apparemment. Peut-être pas... complètement, mais je pense que je peux les crafter de toute façon. Voilà, je pense que ça, c'est déjà pas mal. Si, non, je peux peut-être du coup lui revendre tout ce que j'ai en surplus. Donc, fabrication de munitions. Ah, j'ai pas grand chose en surplus. Le bois, par contre, là, il va falloir que j'en jette. Hein, ça sert à rien d'avoir 4 stacks de bois. Donc. C'est un mannequin ça? Non, c'est pas un mannequin. Oui, donc on va aller voir le signal qu'on voit tout en haut de la montagne. Franchement, je pense que c'est de là d'où on vient, hein, mais les marches, elles sont là. Bonjour. Les chamans m'indiquent que les troupeaux se dirigent dans cette direction. C'est par là que les Banuk doivent monter et descendre de la montagne. Ok, c'est par où là? Ah, ok. Oh lutte, ça tu pourrais le faire normalement. Hein. Là t'as juste pas envie.
La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Ok, donc il y a ce qu'il faut pour descendre là, mais je vois pas de chemin réellement pour monter. Ok, donc là je peux faire ça, là je peux faire ça. Ah bah si, il y a quand même un chemin. Ok. Sauf que le truc c'est que moi il faut que j'aille par là-bas, hein, on est d'accord. Attendez. Ok, donc on va essayer d'aller le voir l'étinceleur du coup. Donc là, je pense qu'on doit pouvoir... Voilà. C'est peut-être pas un truc que j'aurais dû faire tout de suite. Mais tant pis, hein, on va essayer. On verra bien, si on meurt, on meurt. Hein, c'est pas... J'ai du mal à respirer. Et dire que les Banouk vivent encore plus au nord. Hop. Je pense pas qu'on doive... si, non? Je vois pratiquement les terres sacrées. Elles me manquent pas. Toi, t'es gentil ou t'es méchant? Là, je sais pas, hein... On enregistre. Le signal venait d'où du coup? Il vient encore d'un peu plus loin, d'accord. Et toi t'es gentil, hein, on est d'accord. Ouais, t'es gentil. On va aller voir par là du coup. C'est Vilgun qui t'envoie. La conscience s'achète apparemment. On s'en fiche. Jeune Nora, tu dois arrêter. Plus loin, on est monté ici, on a trouvé un genre d'appareil ancien. Aucun doute, c'est bien ça qui modifie le comportement des machines. Les autres abrutis ont voulu l'emmener à Belvédère pour le vendre. Mais il était déjà cabossé. Comme si... On a essayé de les empêcher de l'extraire. Sans cette chose ici, ces Banouk vont se faire massacrer. Je vais les arrêter. Fichez le camp d'ici. Vous avez fait suffisamment de dégâts pour ça. Tu n'as pas tort. Ok. Affronter les ors ram. D'accord. Alors on va peut-être prendre ce qu'il y a là-dedans quand même. Plus de place. Alors, on va juste vérifier un truc. Est-ce que c'est une quête? D'accord, donc ça va, c'est niveau 12, on doit pouvoir y arriver. Normalement, on peut y arriver. Mais qu'est-ce que t'as fait? Qui es-tu? T'es pas une de ces Banouk? Oh, trop tard. Laissez-moi regarder. Attends un peu. Ce truc est à nous. On l'a chopé. Pourquoi tu le voudrais? Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Je sais pas quoi penser. C'était ton idée. T'as commencé, t'as qu'à finir. Ok. C'est peut-être juste de la camelote, mais on peut le vendre pour les pièces. Je te repose la question, pourquoi tu le veux? Ça a plus de valeur pour moi que vos vies. Vous voulez toujours négocier? Laisse tomber. Oh. Tout ce que l'Est m'a donné, c'est des engelures. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. Dysfonctionnement critique. C'est pas tout jeune. Et il envoie un signal depuis tout ce temps. De plus en plus faible. Je dois retourner au camp. Avant que les machines ne le détruisent. Avant que les machines ne le détruisent. Et attendez, déjà on va enlever le repère là, voilà. Donc du coup il faut que je redescende. C'est dommage pour ce qu'il y a là-dedans, il y a quoi? Oh, c'est juste un piège explosif.
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on saute! Non, elles ont commencé à attaquer. Ça serait... défendez le camp. Trop loin. Oui. Rugis et attaque-moi. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Ensuite. Ouais, mais là c'est un denti quand même là. On s'attaque pas à un denti comme ça les gens. Et elle est affairée. Est-ce que tu peux voir, s'il te plaît? Encore un peu, merci. La chasse reprend. Voilà, donc on a fait le dent de scie ensuite. Toi, tu te calmes tout de suite. Ce n'était qu'un effet secondaire. C'est bon. Va être de moins bonne humeur. Est-ce que tu peux récupérer ce que tu peux? Merci. On va aller récupérer sur le dent de scie également ce qu'on doit récupérer. Voilà. Sur les petites bêtes, ça va encore. C'est pas très grave. Donc maintenant, on doit parler à Ticu. C'est quoi ce nom, petit cuc? j'avais tué une bestiole là, voilà. On va récupérer ça, voilà. Et petit cuc, il est où petit cuc? Ah bah il est là, là. Non. Savais-tu que ce changement allait arriver? Non, pas tout à fait. Mais je sais que beaucoup de choses changent dans le monde. Là, c'était les étrangers. Ces Océram pensaient... Les Océram ne pensent pas. Ils ne comprendront jamais l'équilibre entre nous, entre l'homme et la machine. La lumière bleue a disparu. Il nous reste de nombreux chants. Des chants de lamentation et non de gratitude. Et maintenant, tu vas retourner là d'où tu viens? Lorsque nous enseignons aux petits à marcher sur la glace, nous leur disons « Le secret, c'est de faire un pas, puis un autre. » Peut-être qu'un jour, nous comprendrons le mystère des machines. Je l'espère. Bonne chance, Ticook. Bien. Ok, donc en fait, on a fait tout ce qui se passait ici, hein. Ouais, on a fait tout ce qui se passait ici. Donc là, on n'a rien à trouver. Non, on a fait tout ce qui se passait dans ce coin-là. Donc, on n'a plus qu'à redescendre et retourner à cet endroit-là. Et là, je pense que ça fait un petit peu de route. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre... On va aller faire ces deux feux. Je sais même pas pourquoi déjà ils ont pas été faits en passant. Mais bon, c'est pas grave. On va les faire en passant. Et on va refaire la route pour retourner là où on doit aller, hein, d'ailleurs. On va profiter un petit peu de ce paysage. Alors, site, étincelle. Ok, si tu veux. Alors, je me ferai certainement encore une petite session hors ligne. Pour refaire le plein de tout ce qui est baie et tout ça. Parce que je pense pas que ça vous fasse marrer de me voir pendant 20 minutes, une demi-heure me promener pour ramasser toutes ces choses-là comme ça. Je vais garder ça pour la route.
Voilà, donc je pense que je vais faire ça hors ligne tout seul dans mon coin et ce sera mieux pour tout le monde. En espérant du coup qu'on n'en ait pas vraiment besoin pour le moment. On a quand même ramassé un petit peu de sel qu'on trouve sur la route. Voilà, on active ce feu de camp là. Et on va tout de suite aller. J'aimerais bien que tu m'affiches, il y en avait un deuxième. Voilà. On va aller sur celui-ci également. Ah, franchement, il était juste à côté de l'autre. J'aurais été créateur du jeu, j'aurais peut-être pas mis les deux aussi près l'un de l'autre. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fous, torse nu presque, par ce temps? Franchement, c'est un petit peu... Enfin, faut pas voir la lumière à tous les étages pour faire ça quand même. Ok, donc maintenant, on va... Hop. Normalement, on a tout fait, oui. On va repasser par ici pour aller faire ce feu-ci. Et on retrouve un petit peu de la forêt, on retrouve un petit peu des couleurs... de basse altitude qui font un petit peu plus plaisir que la neige quand même. La neige qui vient juste d'arriver en France. Les gens ils ont peur parce que il y a un peu de neige qui est tombée. Du coup ils veulent pas sortir de chez eux. Oh c'est trop beau, il y a de la neige. Oh je veux de la neige. Oh là là il fait froid. Oh puis ça glisse la neige. Bah faudrait savoir ce que vous voulez les gens. Donc ça va, on arrive suffisamment bien à se déplacer. Ah, c'est des corrompus forcément. Ou pas. Oh oh oh, méchant. Méchant, tiens. Bim, merci, bisous, au revoir. Bon, c'est dommage, on leur a fait peur. On aurait pu récupérer un. On va voir si on peut quand même... je pense que ça va être compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué. Ils étaient trop... Oh, bon Dieu. Je vais les éviter pour l'instant. Oui, vaut mieux. J'avais pas prévu ça, moi. Hein. ok. Est-ce qu'on peut passer par là en haut? Je crois que ça risque d'être problématique. Donc on y va, on court. On devrait pouvoir les distancer un petit peu. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Ça m'aidera. Oui, tout va bien. Ok, donc on est bien. On est arrivé au feu.
Donc ensuite, on va, on a ce projecteur-ci à faire. Donc on va aller au projecteur et on va essayer de remettre aussi la mission. C'est pas marqué le nom du village ou quoi que ce soit. Non, ça aurait été trop simple. Porte du rempart, on va regarder. Alors je sais que c'est une quête annexe. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est parfait. On va juste... Hop. On va pas suivre les points qui veulent nous faire prendre, hein. On va prendre nos propres points. Cette machine. Mais où apprendre à faire ça? Attendez. On va essayer de passer par en haut. Je pense qu'on doit pouvoir... On va sauvegarder notre progression ici. Voilà, je pense que ça va, on a réussi suffisamment à esquiver pas mal de choses. Par contre, on est retourné un petit peu dans un biome froid, mais c'est pas très grave. J'étais déjà passé par là, il me semble. Hein. La barrière. Oui, j'étais déjà passé par là. Elle a survécu à ses blessures. Ouais, d'accord, on en est à ce niveau là, ok. Sympa les gens. Je vais juste essayer de lui revendre encore. J'ai pas mal de choses. Alors, ce qu'on va regarder, c'est si on peut acheter une tenue plus adaptée. Non, on peut racheter encore celle qu'on a déjà, ce qui sert pas à grand chose du coup. Parce que je pense que ce qui aurait été bien, contre les éléments accrus. Ok. Bon, forcément, je pense que la mieux, c'est celle-ci. Mais ça, pour l'avoir, un cœur de testudien. Je pense pas qu'on puisse en avoir tout de suite. Cœur de crasheur boursouflé. Et cœur de brouteur. À la limite, est-ce qu'on pourrait pas... parce que ça, c'est pour une discrétion, ok. Protège contre la corruption. Parce qu'on peut se faire corruptionner, nous. Non, on va regarder si on peut lui acheter un cœur de testudien, ce qui m'étonnerait. Hein. Ouais, non, on peut pas lui acheter de cœur de testudien. Ok, bon. C'est pas bien grave. On va juste continuer d'avancer un petit peu. Non mais regardez ça quoi. Ah bah je vais vous laisser parce que apparemment j'ai un colis qui vient d'arriver. Allez, salut tout le monde. Oui.
D'accord, ben j'arrive.